Ouais, connecte-toi, voilà comment ce travail-là. Ouais, connectez-vous. Juste 15 minutes, voilà. 3 minutes de chanson, 12 minutes de parole. Voilà. Il y a des gens qui n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. En telle enseigne que ma vidéo d'hier a été supprimée. Voilà, par des gens tapis dans l'ombre. Par les gens qui n'aiment pas la vérité. Qui veut maintenir le statu quo à l'état de belligérance. Et face à cela, nous, la révolution orange, nous nous indignons, nous insignons, raison pour laquelle nous voulons rétablir la vérité. Sur ce, le grève va commencer. Voilà. Bonjour les frères, bonjour mes soeurs, bonjour à tous ceux qui nous suivent de loin ou de près. Dessin animé, votre humble serviteur, Révolution Orange. Je suis devant vous par le biais de cette vidéo pour m'adresser en parenthèse au Babo ou rien. Bon, Babo ou rien, il ne sait même pas ce qu'est l'expression. Il ne sait pas ce que cela veut dire, Babo ou rien. Mais tout comme fait, on va définir Babo ou rien selon eux le contexte. Voilà. On va définir Babo ou rien selon eux le contexte. Voilà. Donc hier, il avait fait une vidéo où je suis venu me prononcer sur les agissements du Babo Ourien. Le Babo Ourien qui est dans une logique de radicalité, qui ne pose pas d'action afin de libérer les Ivoiriens, qui ne pose pas d'action afin d'aller dans une réconciliation. Ils sont chez eux, dans leur salon, Babo Ourien. On attend Babo. C'est-à-dire, Babo Ourien, sans Babo, eux ne peuvent exister. Ce qui revient à dire, si sans Babo, vous ne pouvez pas exister, c'est que vous êtes des mineurs. Voilà. Donc, les mineurs n'ont pas le droit de parler avec des gens qui sont matures. Nous sommes matures, mais des mineurs. Donc, quand les gens matures parlent, les mineurs, ils ferment les bouches. Voilà, parce que sans vos papas, vous ne pouvez rien faire. Or, la logique voudrait que, quand tu mets un enfant au monde, tu le mets à l'école, passé l'âge de 18 ans, il doit se prendre en charge. Il ne doit plus dépendre de son papa. Mais vous, vous êtes vieux. Et on dit que vous êtes vieux, vous prenez ça dans le sens péjoratif, comme une injure. Mais en quoi être vieux constitue une injure? Bah, c'est un état de fait, c'est un constat. Quand on dit que tu es vieux, c'est pour dire que tu es fatigué, c'est pas une injure. Parce que tout être vivant qui a le sang, qui a le sang dans ses veines, est appelé à vieillir. Voilà, nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas des Robocop, nous ne sommes pas des TC2000, nous ne sommes pas des mutants, mais nous sommes des êtres humains. Voilà, donc tout être humain, tout être vivant, voilà, je résume, tout être vivant est appelé à vieillir. On part de l'état embryonnaire. À l'état fœtus, après, on vieillit. Mais on dit que quelqu'un est vieux. Vous prenez ça comme un jus. Mais quand quelqu'un est vieux, c'est pas parce que c'est une insulte, mais c'est un état de fait, c'est un constat. Voilà, quand quelqu'un est vieux, il a la capacité de mener, mener certaines actions. Donc celui-là a besoin de repos. Vous dites non, Babo, rien. Et sans Babo, vous ne pouvez rien faire. Mais ce qui est un peu bizarre, l'histoire est têtue, hein. Voilà. Nous sommes plus rattrapés par l'histoire. Ce qui dit Babo Ourien, pourquoi quand, à l'aurore de la crise, après la capture du président Laurent Gbagbo, c'est M. Maka Ourito qui a assuré l'intérim du FPI. Mais vous, les Babo Ourien, pourquoi vous n'avez pas empêché Maka Ourito de pouvoir négocier avec Draman Ouattara afin qu'il puisse libérer certains prisonniers politiques, dont Afin Guessant. Voilà. Parce qu'on est dans une logique là. On n'est pas comme un caméléon. Quand on est dans une logique, on reste sur cette logique. Quand on est dans une logique, on reste sur cette logique. Pourquoi quand Miaka Ourito, père à son âme, assurait l'intérim de la présence du FPI, pourquoi vous n'avez pas empêché de négocier avec Ouattara? Parce qu'on est Babo Ourien, on est Babo Ourien sur toute la ligne. Voilà, on ne fait pas d'exception à une règle. Quand tu es gamé, tu es gamé. Tu es né gamé, tu es né gamé. Il n'y a pas d'exception à une règle. Voilà. Donc, pourquoi vous n'avez pas empêché Miaka Ourito d'aller négocier
avec Alassane Dramane Ouattara. Parce que Alassane Dramane Ouattara a incassé Gbagbo à Korogo. Vous devez dire non, Gbagbo ou rien, on négocie pas. Mais par contre, vous avez laissé Miaka Ouletou négocier avec Dramane Ouattara afin qu'on puisse libérer certains prisonniers politiques. Donc, moi, souvent, j'ai l'impression que vous faites exprès. Parce que quand on prétend suivre les idéologies de Gbagbo, on doit suivre à la lettre tout ce que Gbagbo fait. Gbagbo, c'est un gars qui n'a jamais prôné la violence. C'est un gars qui n'a jamais prôné pour la chérie. Gbagbo a toujours prôné pour la chérie et du sultan. Gbagbo a toujours prôné pour le dialogue. Mais vous, les Gbagbo, rien là. Ce n'est pas ce qu'on constate chez vous. Peut-être en temps normal, votre Gbagbo là, le grand Gbagbo, le grand LG, c'est un homme de paix. Voilà. Un homme de dialogue. Un homme de main tendue. Tu tends ta main. Malgré les belligérances, il attrape et puis il dit ouais, venez, on va discuter. Mais vous qui vous réclamez les Gbagbo rien, on ne voit pas ça dans votre posture. Vous êtes radical. Et vous voulez vous assimiler au vidéoman. Moi, c'est mon droit le plus absolu de ne pas reconnaître Dramane Ouattara comme mon président. Voilà, parce que ici, il n'y a pas créé un parti politique. Voilà. Et il est aussi militant d'aucun parti politique. Moi, j'étais gendarme. Voilà. Et le gendarme, sa mission première, c'est assurer la protection des biens et des personnes. Voilà. Il est républicain. Il est au service du président qui est là. Par contre, les militants, vous avez un parti, vous suivez votre président. Voilà. Donc, si des gens veulent se dissocier de votre forfaiture, en quoi cela peut occasionner une avalanche d'injures? Il voit des statuts, des gens qui écrivent des commentaires. Non, c'est l'ingratitude. Non, c'est l'ingratitude. Non, mais moi, je ne suis pas arrivé à quelqu'un. Moi, je ne dois rien. Personne ne me doit. Voilà, parce que moi, là, je ne suis pas venu en face de quelqu'un. Nous ne sommes pas venus dans un vol château. Il réitait toujours. Moi, je suis venu à la nage. Voilà. Et que ça arrive à Paris ici, il n'y a pas quelqu'un qui m'a appelé pour dire ah, Dieu va t'inscrire dans un groupe de patriotes pour lutter pour la libération de Gbagbo. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait ça. Voilà. Si vous êtes chez moi, et moi et mon collègue, on a pris l'initiative de vouloir faire des vidéos et de dénoncer. Parce que nous, notre mission première à Abidjan, c'était d'assurer la protection des biens et des personnes. Comme on aimait ce métier par conviction, voilà, raison pour laquelle on est arrivé ici, ça nous manquait, raison pour laquelle on voulait se mettre au service du peuple ivoirien, raison pour laquelle on a commencé à faire des vidéos pour pouvoir dénoncer l'état de la société. Voilà. C'est de notre propre chef. C'est de notre propre chef qu'on a pris l'initiative au péril de notre vie. C'est ce que nous sommes recherchés. Voilà, parce qu'en temps normal, la logique voudrait que ouais, quand tu fuis ton pays, parce qu'on a tenté de t'assassiner, tu viens, tu vis en autarcie. Voilà, tu vis en silence. Mais nous, ce n'est pas ce qu'on a fait. On a préféré faire du bruit. Oh putain, là, quand tu es recherché, là, tu te caches. Voilà, tu te caches pour pas qu'on te retrouve. Mais nous, c'est au péril de notre vie, parce qu'on veut servir notre pays. Voilà, donc on ne sait pas de quoi vous parlez. Voilà. Et les dits des Gbagbo, souvent, à vous entendre parler, j'ai l'impression que vous faites exprès. Parce que quand vous révisez les vidéos de YouTube lors de la crise électorale, Gbagbo, quand le journaliste l'a appelé pour lui, mais monsieur le président, pensez-vous signer votre réduction ou vous voulez engager l'hostilité? Qu'est-ce que Gbagbo a dit? Il dit, mais monsieur le journaliste, je ne suis pas suicidaire. Quand quelqu'un vous dit qu'il n'est pas suicidaire, c'est qu'il n'est pas dans la logique de Gbagbo ou rien. Il y a des vidéos sur YouTube, hein. Voilà. Quand il y a eu 3 jours d'accalmie, il y a un journaliste qui a appelé Gbagbo, ils ont posé 10 minutes. Il a dit, monsieur le président, c'est quand vous comptez signer votre réduction, ou bien vous êtes suicidaire. Gbagbo dit non, lui n'est pas suicidaire, il n'est pas un kamikaze qui tient la vie. Donc quelqu'un qui dit il n'est pas suicidaire, c'est qui tient la vie. Donc votre logique de Gbagbo, c'est dit quoi? Parce que votre logique de Gbagbo est égale au suicide. Mais vous voulez que Gbagbo meure là-bas. Voilà, c'est la définition de terre à terre. Mais faut penser, faut pas, vous n'avez pas à faire au coin. Hein. Nous, on s'est lié entre les lignes. Voilà, ça c'est le premier exemple. Le deuxième exemple. Quand ils ont attrapé Gbagbo, ils l'ont amené au golf. Les gens ont entendu le micro. On dit, monsieur le président, donnez un mot pour que la paix puisse revenir. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai dit à mes hommes de cesser les hostilités, d'arrêter les armes pour qu'on puisse entrer dans la partie civile de cette crise. Mais quand quelqu'un vous dit pour qu'on puisse entrer dans la partie civile de cette crise, c'est pour dire que c'est des négociations. Donc vous voyez Gbagbo rien. C'est dit quoi? Parce que votre menteur lui-même, quand on l'a attrapé, il a dit, j'ai donné instruction à mes hommes de faire taire les armes
pour qu'on puisse entrer dans la partie civile de cette crise. Mais quand quelqu'un vous dit on va entrer dans la partie civile de cette crise, c'est pour dire il y a une négociation. Il y a une négociation. Mais vous, vous êtes là, Gbagbo ou rien. Donc votre Gbagbo ou rien, c'est vous qui êtes dans le faux. Ce qu'il dit là, il ne suis pas en train d'inventer. Hein. C'est sur YouTube. Donc les dits des Gbagbo sont comme un test. Maintenant, pour ceux qui sont dotés d'un raisonnement qui se dit humain, doivent profiter de ça pour faire un commentaire composé. Parce que quand tu donnes un test, il faut faire un commentaire composé. Tu réussis à déceler l'énigme dans ce test. Et s'il faut, employer des figures de style pour pouvoir dire ce que l'auteur voulait dire. Mais vous, vous voyez toute cette vérité et vous faites fi de cela. Donc, en tout cas, les gars, voir Gbagbo où vient là. Ne nous associez pas à ça. Voilà. Parce que la politique, là, quand on dit la politique, c'est un dialogue, c'est une négociation. Mais ne vous assimilez pas aux vidéomans. Si nous, on est radical, on sait pourquoi on est radical. Voilà. Parce que, quand je dis pas tout ce qu'on a fait la vidéo, on s'est dit le matin, c'est pas ce qu'il devait dire. C'est pas ce qu'il devait dire. Mais lui-même, ce que moi, il a dit là, c'est pas ce qu'il a dit. Il a mis l'eau dans son vin. Parce qu'il était venu pour tout gâter. Voilà. Mais il a mis l'eau dans son vin. Pourquoi? Parce que les gens allaient mal interpréter pour du nom. À chaque fois que Denis Pacheco fait des sorties brusques, c'est parce que, ouais, il y a le procès de Laurent Gbagbo. Raison pour laquelle il a atténué. Sinon, moi, c'est pas ce qu'il a dit. Voilà. Il était venu pour gâter, pour vous ramener à l'ordre. Parce que c'est vous-même qui êtes ingrats. C'est vous-même qui êtes ingrats, vous les gens du FPI là. C'est vous-même qui avez mis Gbagbo dans le gouffre. Et je m'explique. Une constitution, c'est pas une lettre. Nul n'est au-dessus d'une constitution. Mais vous les Gbagbo rien là. Dans la constitution de Côte d'Ivoire, il y a un paragraphe qui dit, quand le pays est en partition, on n'a pas le droit de faire des élections. Le pays doit être réunifié afin qu'on puisse aller aux élections. Mais vous les Gbagbo rien là, quand Gbagbo a dit voilà aux élections, vous étiez où pour l'empêcher d'aller aux élections? Mais ça c'est Gbagbo rien. C'est Gbagbo rien. Donc vous les gars du FPI, c'est vous-même qui conduit Gbagbo dans la bêtise. Voilà. Et pour Élie, c'est vous qui conduit Gbagbo dans la bêtise. Parce qu'on dit la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc Gbagbo, lui, c'était un démocrate, c'est le peuple qui est sur son pouvoir. Et le peuple, c'était ceux qui étaient aux alentours. Voilà. Donc ne nous prenez pas pour les cons. Quand on veut dire la vérité, il y a des gens qui se sugent. Non, vous êtes là pour des vues. Vous êtes là pour des vues. Moi, je vis là. Les vues là, ça n'a pas de nourriture. Hein. Voilà. Et ceux qui parlent de vues, ils réitèrent. Ceux qui parlent de vues, ceux qui ne sont pas là, pourquoi on peut les regarder là? Quand vous faites votre vidéo là, il y a trois étapes. Il y a moi uniquement qui veut dire que quand tu postes tes publications, c'est toi seul qui dois les regarder. Il y a pour amis de mes amis, quand tu postes ta vidéo, c'est tes amis et les amis qui doivent regarder. Et maintenant, il y a partie où tu postes ta vidéo, c'est public. Donc si vous ne cherchez pas vues là, quand vous postez vos vidéos, mettez moi uniquement. Voilà, là, c'est vous ceux qui vous regardez. C'est vous ceux qui regardez vos vidéos. Mais quand vous mettez amis de mes amis, c'est pour dire que vous cherchez des vues. Vous voulez qu'on vous regarde. Donc on ne sait pas de quoi vous parlez. Voilà. J'ai fait ma vidéo hier. Les gens viennent. Ils ont supprimé la vidéo parce qu'ils n'aiment pas, ils aiment pas la vérité. Mais vous n'aimez pas la vérité. On va vous dire la vérité. Moi, même matin, c'est pas ce qu'il a dit de dire. Hein, mais il a dosé. Il a dosé pourquoi? Parce que lui, il a censé. C'est lui qui a su qu'il y avait un procès matin. Il y avait un procès le lundi. Sinon, moi, il est champion au pays de Gâté, roi. Voilà. C'est donc pour laquelle hier, ceux qui ont suivi mon poste, il a mis des armes. Vous dites, ouais, on n'est plus là, on n'est plus là à la rigolade. Voilà. On va balancer ce qu'on sait pour rétablir le respect. Voilà. Parce que si la cour va dans ça, là, c'est vous les aboudements Sangaré, là. Les, ceux qui sont autour de Gbagbo, là. Vous les Gbagbo, là. C'est vous. Et toi, aboudements Sangaré, comme Dieu l'a dit, tu es un gars qui est méchant. Voilà. Moi, je travaillais avec toi, il était défini. Voilà, parce que l'homme qui a travaillé, toi, pour pas prendre l'habitude. Il y a dit dans ton parking, tu as 6 voitures. Il y a une 607 qui appartient à ta femme. Il y a les 5 voitures là, c'est pour toi. Voilà. Matin, tu sors une autre voiture. Le soir, c'est pas la même voiture que tu sors. Et quand on prenait gars chez toi, qu'est-ce qu'on mangeait? Tu nous faisais manger quoi? Tôt et sauce. Une sauce verte bizarre là, chaque jour. Tôt et sauce verte. Savez-vous, les gens qui prenaient gars chez vous, vous ne pouvez même pas les respecter. Les gens qui est là, un gars qui est là pour ta sécurité, vous les minimisez. Aucun respect. Vous les marginalisez. Et c'est quand c'est gâté, vous cherchez protection. Toi, Aboudama Sangaré, quand on prenait gars chez toi, c'est quel outil que tu nous donnais?
La fille, ta gouvernante, c'est quoi elle nous donnait? To avait une force verte là. Chaque jour, c'est ça qu'on a mangé. Chaque jour, To. Au moins, à manier, gaisant poulet, au moins, il était un peu mieux. Quand tu t'en chelues, prends garde. Il y a du riz, il y a poulet, il y a des petits trucs, petits boissons. Mais toi, vous commencez à engager, tu nous donnes quoi? Et le pire, matin, quand on doit prendre le petit déjeuner, soit c'est du café. La fille, elle vient, elle pose bonnet rouge à 9h. Elle vient à 10h, elle met l'eau chaude. À 10h30, elle envoie sucre. À midi, elle envoie le pain. Mais ça, si ce n'est pas la méchanceté, c'est quoi? Quelqu'un qui doit boire café, vous envoyez le lait à 8h du matin. Vous envoyez l'eau chaude à 9h. Vous envoyez le sucre à 9h30. Le pain même vient à 12h30. Les nuits électriques, on dit, ah, c'est pas une vie privée. On n'a pas dans ça. Mais si vous voulez nous pousser à vous étaler, on va vous étaler. On va vous étaler. Parce qu'on vous a dit, unissez-vous. Il n'y a pas de FPI. Le FPI d'Afi Sangaré et d'Afi. Le FPI d'Aboudouan Sangaré. C'est États-Unis. Vous pouvez bouter Ouattara. Avec des négociations. La preuve en est, Gbagbo qui est au pouvoir, les blés boudés, ils sont les négociés, ils sont allés à Boaké pour domination de Ouattara. Malgré que j'étais en belligérance, je vous ai même montré une vidéo hier ici, où blés boudés avec Ouattara et il parlait. Mais vous, vous êtes politiciens, mais vous ne posez pas de la politique. Autrement dit, prenez notre place de vidéobone et nous on fait la politique à votre place. Parce que nous, laissons ignorer que les militaires sont innés en politique. Voilà, il y a une politique innée en eux. La preuve en est, Thomas Sankara, c'était un militaire. Yaya Jammeh, c'était un militaire. Jerry Rawlings, c'était un militaire. Qui ça même Fort, je ne sais pas, Fort qui est mort là, c'était un militaire. Kadhafi, c'était un militaire. Voilà. Donc si vous nous réduisez à vos chiens de compagnie, comme quoi, ah, les jeunes hommes, ils ne sont pas intelligents. Les jeunes hommes, c'est BPC. Moi, je n'ai jamais eu de BPC. Voilà. BPC, il a mis ça dans plein pied, il a mis ça à côté. Et il dit, il ne sait pas faire la mathématique. C'est mieux, il me met en littérature. Et il a un bac A2. Voilà. Un bac A2. Niveau d'études, bac plus 2. Voilà. Donc, si vous aimez faire vidéo, venez prendre Mathieu Kéréko aussi. C'était un militaire. Voilà. Donc, si vous aimez faire vidéo, venez prendre notre place et nous on fait la politique à votre place. Parce que nous on a des idées. Denis Pacheco parle de cela, les gens s'insurgent. Non, il a insulté Gbagbo, il a traité Gbagbo de vieux. Mais c'est vous qui voulez utiliser ce mot à un terme péjoratif. Sinon, en tant que normal, quand quelqu'un est vieux, c'est pas une injure. Quand on dit quelqu'un est vieux, c'est parce qu'il est fatigué. Il y a certaines choses que tu n'as pas fait. Voilà. Et quand tu mets ton enfant à l'école, c'est pour qu'il te remplace. Quand tu mets ton enfant à l'école, tu apprends certains trucs. C'est pour que, quand toi tu n'es pas là, il puisse assurer l'intérim. Mais vous êtes là, vous êtes vieux. Gbagbo n'est pas là. Vous ne voulez pas vous prendre en charge vous-même. Non, Gbagbo, rien. Mais ça sent quoi? Ça sent le roussi. Donc, ou bien vous voulez neutraliser tous ceux qui ne sont pas dans vos idéologies. On parle de ça. Vous vous insurgez. Mais vous n'allez pas continuer à nous tromper. Hein? Voilà. Les gens qui disent non, qu'on est amélioré. Mais la voiture là, quand tu roules une voiture là, tu allumes d'abord la voiture. Avant de rouler la voiture, tu allumes d'abord, tu chauffes le moteur. Quand tu chauffes le moteur, et c'est la suite de ça qui démarre. Voilà. Donc si vous dites, non, que Denis a changé de comportement, ou bien là, il change de veste. Non, mais dans la vie, faut tâter plusieurs schémas. Faut approcher les gens pour t'enquérir de ce qu'ils savent. Et après maintenant, tu fais une synthèse, en fait, une conclusion. Voilà. Donc quand on vous dit, vous devez être unis pour aller affronter Ouattara. Est-ce qu'on a tué quelqu'un? Non, c'est Afi. Non, je vais t'affider. Mais Afidé là, Afi, il ne m'a jamais fait voir cette union. Afi ne m'a jamais fait voir cette union, moi je dis ça à lui. Mais 300 euros, ça me suffit tranquille. Voilà, depuis faire vidéo, je m'ai appelé quelqu'un pour dire, ah il y a un problème 30 ans, il faut m'aider parce que je n'arrive pas à payer mon loyer. Voilà, il y a 300 euros, c'est comme ça. Non. Je suis plus resté digne, un homme de conviction. C'est ça le militaire. Voilà. Donc on ne sait pas de quoi vous parlez. Et nous, on n'est pas là pour dire ce que vous voulez entendre. Voilà. On n'est pas là pour dire ce que vous voulez entendre. Parce que la personne, c'est ce que vous voulez.
Non, on doit dire forcément ce que vous voulez entendre. Non, mais nous aussi, c'est blanc. On dit c'est blanc. C'est pas pour vous, vous êtes animé par un suivi moutonnier. Que vous dites, non, ça c'est bleu. Ok, non, c'est blanc, puis on vous suit. Parce que c'est fait des mots. On n'est pas là pour ça. Voilà. Et moi, mon cerveau n'est pas en location. Hein. Voilà. Moi, je ne mets pas mon cerveau en location. Voilà. Dans ma pauvreté, je préfère rester digne, comme l'a fait Gbagbo. Mais vous voulez vous dire Gbagbo ou rien. Mais vous n'essayez pas de dire Gbagbo. Gbagbo, au temps, dans le temps, où il faut la promis, pose de premier ministre, pose de temps en temps, il dit champion, tchèque. Moi, je suis là pour le peuple, c'est ton pouvoir, il veut. Mais vous, on vous donne, vous dites non, Gbagbo ou rien. Moi, quand on dit Gbagbo ou rien, on ne prend pas dans les Ouattara. Hein. Voilà, quand on dit Gbagbo ou rien, on ne dit pas non, qu'il était ancien ministre de chez eux. Ancien ministre, il doit avoir ma rente viagère. Non, tant que c'est Gbagbo ou rien, tu ne fais rien là de l'État. Voilà, peut-être dans une logique, c'est Gbagbo ou rien. Voilà. Dans les champions, arrêtez de cacher nos tympans. On n'est pas venus ensemble en France de le même vol château. Chacun est venu ici. C'est parce qu'on s'est réclamé en tant que pour Gbagbo qu'on s'est retrouvé en France ici. Voilà. Donc là, si on sait que vous êtes dans un chemin que nous n'adoptons pas, c'est notre droit le plus assuré de ne plus marcher à vous. Mais pourquoi vous voulez dire non, que ouais, ils ont trahi? Ils ont trahi quoi? Vous insultez. Mais les gens qui insultent toujours, les putains 007 qui insultent Gbagbo là, vous n'avez jamais fait de vidéo pour répondre. Hein. Voilà. L'Afrique a répondu à Denis Pacheco qui s'est défini à faire les vieux là. Putain 007, il insulte Gbagbo. Vous n'avez jamais fait de vidéo pour venir dire non, pourquoi tu suis Gbagbo? Mais quand c'est Denis Pacheco qui parle, vos piles dans sa bande. C'est là maintenant, chacun veut se faire voir, va mettre un petit statut, ils vont venir réel. Toi, Kwasi, tu étais mort dans le film. Pour te faire voir, tu es venu mettre un petit statut pour venir commenter. Pourquoi on puisse vous regarder? Nous, on n'est pas là pour plaire à quelqu'un. Voilà. Nous, on n'est pas là pour plaire à quelqu'un. Hein. On n'est même pas là pour plaire à quelqu'un. Voilà. C'est vous-même qui voulez que Gbagbo reste en prison. Je vous le jure, c'est vous-même qui voulez que Gbagbo reste en prison. Parce que tout ce qu'il a dit là, c'est la vérité. Gbagbo, quand ils l'ont pris, ils l'ont amené au golf. On dit, monsieur le président, parlez. Il dit, ouais, il y a de l'ordre à mes militaires de faire taire les armes pour qu'on puisse rentrer dans la partie civile de la crise. Mais quand quelqu'un dit, pour qu'on puisse rentrer dans la partie civile de la crise, vous dites, c'est une négociation. Voilà. Il n'a pas dit Gbagbo ou rien. Il n'a pas dit pouvoir ou rien. Que c'est moi qui ai gagné, que vous me brigandez. Il dit, non, partie civile de la crise, il dit, négociation. Mais vous, les Gbagbo ou rien, vous faites exprès. Vous savez ce que Gbagbo vous l'a dit, mais vous faites exprès. Je ne sais pas dans quel schéma vous êtes. Mais vous, vos schémas là, dans quoi vous êtes, nous, on va vous dénoncer. Voilà. On va vous dénoncer. Parce que cette forfaiture là, ça n'a pas passé devant nous. Voilà. Moi, dans l'armée, on ne m'a pas muselé. Mais partout, on dit l'armée, c'est quoi? C'est obéissance. Obéissance avant. On dit exécution avant réclamation. Moi, ça passe pas avec moi. Voilà. Moi, tu es mon chef. Tu fais un truc qui ne me plaît pas. Il dit, hey, chef, moi, je ne suis pas dans ça là. Et puis, tu n'es pas tes carreaux. On me connaît pour ça. Voilà. Non, vous êtes combattant. Vos combats là, vous devez commencer quand? Vos combats là, vous devez commencer quand? C'est pas le fait de venir s'asseoir sur Facebook, écrire, commenter, venir faire une petite vidéo, voir de façon que vous êtes combattant. Nous, là, quand on dit combattant, c'est moi, je suis le vrai combattant. Voilà. Si la toile là, c'est moi qui devrais guérir. Voilà. Parce que j'ai commencé le combat en 2002. Et elle est vraie âme. Voilà. Elle est vraie âme. Donc, je ne sais pas sur quoi vous comptez pour non, Gbagbo ou rien. En tout cas, moi, je suis un militaire. Mais ne m'écoutez pas. D'abord, on a pour dire non, ah, si c'est gâté, il va tirer, ah, puis se lève, non. Les armes sont les derniers recours. Voilà. Une situation, c'est quand il n'y a pas de possibilité de négocier, là, on fait un recours aux armes. Mais vous, il y a possibilité de négocier, vous ne négociez pas, c'est vous chercher les gens pour dire non, Gbagbo ou rien. Moi, je suis réfléchi, hein, je ne suis pas suicidaire. Gbagbo lui-même vous l'a dit. Voilà. Je ne suis pas suicidaire. Voilà. Donc, moi, c'était ma petite vidéo, mon petit direct, voilà, pour vous éclaircir ici les dits de Denis Pacheco. En tant que même vidéo qu'il a fait maintenant, c'est pas ce qu'il a fait. Voilà. Parce que les âmes qu'on a positionnées en batterie, c'était venu tout gâter pour mettre le respect, pour dire voilà, vous qui parlez là. Voilà votre drap ici. Voilà. Mais lui, il a dosé. Et il n'était même pas content. Mais ça a pas l'analyser pour dire non, ah non, demain à procès, il ne faut pas les gens dire non, ah, c'est quand il a procès Gbagbo, il vient les sorties, il fait des sorties fracassantes. C'est donc pour laquelle il a dosé. Mais c'est regarni. Voilà. Si c'est regarni. Voilà. Donc, moi, c'était ma petite vidéo. Maintenant, les gens qui n'aiment pas la vérité. Moi-même, j'aime ça. Quand vous supprimez la vidéo là, moi-même, j'aime ça. Ça m'occupe encore. Je vais y faire encore.
Voilà, parce que quand ma vidéo est là, vous ne supprimez pas, il regarde ça plusieurs fois, il regarde ça me distrait. Mais là, quand vous supprimez là, vous me dites encore travail, comment j'ai fait une vidéo? Souvent, il fait pas, quand vous ne me voyez pas, il ne fait pas de vidéo. C'est passé, il ne sait pas de quoi il parlait. Voilà. Mais quand vous venez vous supprimer là, moi ça m'arrange, vous savez, il parlait encore. Moi, j'aime ça. Hier, il a fait une vidéo, parce que non, il ne sait pas dans le lieu de Babo ou rien. Vous allez supprimer, c'est vous les hackers. Moi, depuis, j'ai fait une vidéo aussi sur Rogum, j'ai fait une vidéo sur Ouattara. Ils n'ont jamais supprimé ma vidéo. Les gens t'ont dit non, ah. Comme passé, Johnny dit que ouais, on supprime sa vidéo, lui aussi supprime sa vidéo pour se donner de la contenance. Mais vous êtes malade, vous pensez moi ici là pour payer à quelqu'un quoi. Vous payez moi aussi, vous payez moi aussi un acteur. Moi c'est pas un acteur. Hein. Voilà. Ici là, c'est pas film. On tourne. Voilà. C'est un film de montage. Ici là, c'est l'égalité. Et il n'y a pas de trucage, c'est bec-en. Voilà. Si vous voulez l'habitude d'être dans le schéma de film de. Moi, c'est pas dans ça. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Vous, les bagbos, là, sortez dans ça. Allez négocier, allez faire politique. Le cas contraire, donnez-nous votre argent. Et vos blouses là, vos vestes là. Nous, être politicien et vous voulez être vidéoman. Parce qu'on a l'impression que c'est ce que vous voulez être vidéoman. Mais c'est un vidéoman qui parle, sans action. Nous, on parle, on est là pour parler. Nous, c'est notre travail à parler. Mais vous, les politiciens, allez poser des actes concrets. Vous êtes assis ici à Paris, ici. Non, on est politicien. Mais, on ne fait pas la politique dans son pays, hein. On ne fait pas la politique de son pays. Gbagbo qui est dans les îles, il s'est tué. Il a négocié son entrée en Côte d'Ivoire et il a dit sa politique. Mais vous êtes ici, non, qu'on fait politique. Se fait, politique, elle ne se fait pas à l'étranger. Hein. Ça se fait sur le terrain. Vous avez dit dessin animé. Moi, je ne suis pas politicien. Moi, je suis dessin animé, vidéoman. Voilà. Personnalité publique, pays public. Ne pas dire ah, dessin animé, personnalité politique. Jamais, ça n'existe pas. Je ne suis pas politicien. Voilà. Moi, je suis acteur de la société civile. Donc, si je vois que je ne me prépare, c'est mon droit le plus absolu de dire ouais, je ne suis pas allé à ça. Et puis il n'y a pas quelqu'un qui a m'a dit, parce que nul n'a le plus pas dans sens infuse. Moi que vous pensez que vous êtes intelligent, nous sommes intelligents aussi. Voilà, mais chacun son intelligence. Voilà. Donc c'est ma petite vidéo. Les Gbagbo-Oriens, on est des frères, mais sortez dans l'affaire des Gbagbo-Oriens. C'est même pas à faire même. Je vous dis, c'est pas à faire. Voilà. Mais c'est pas Gbagbo-Oriens qui a mené Gbagbo même à ce pays. Sinon, si vous voulez négocier quand il y a Kologo, il n'est pas là à ce pays. Mais vous voulez vous jouer nous aussi. Genre là, vous êtes trop musclé. Musculature, il n'y a rien dedans. Voilà. Vous voulez montrer que vous êtes nous aussi. Ils ont mis plomb dans vous. Voilà. Parce que Gbagbo met dans le bunker. Le journaliste l'a appelé. Il dit champion, tu signes ta réduction. Vous les abonnements s'engager. Non, faut pas dire ça. Mais lui, il a dit, il dit, il ne s'est pas suicidé. Un gars qui n'est pas suicidé, c'est pour dire, il n'est pas dans le lieu de Gbagbo ou rien. Parce que quand tu n'es pas suicidé, tu viens négocier. Quand tu n'es pas suicidé, tu viens négocier. Lui, il a dit, ouais, monsieur, je ne suis pas suicidé. Mais quand tu n'es pas suicidé, c'est que tu veux une issue de sortie de crise. Mais vous êtes là, Gbagbo-Oriens. Mais vous-même, vous dites Gbagbo-Oriens. Vous n'êtes même pas dans le jeu de Gbagbo-Oriens. Parce que si on veut suivre mais Gbagbo là, c'est pas ce que Gbagbo demain vous faites. Peut-être que Gbagbo, il a toujours prôné le dialogue. Voilà, réconciliation. La preuve en est, rebelle vient attaquer la nuit. Il dit, ouais. Vous êtes les rebelles, mais c'est que je suis. Comme c'est la famille, on va négocier. Qu'est-ce que vous voulez? Poste en temps, même vous, Gbagbo-Oriens. Mais d'abord, Gbagbo-Oriens, ça vous a sorti dans quoi? Voilà. Donc, c'est cette vérité-là, les gens ne veulent pas qu'on dise. Quand on vient, on parle, ils font les postes. Mais nous, on s'en est imbobile de ça. Vous êtes fâchés là, allez rouler votre voiture à Abidjan là-bas. Voilà, c'est Abidjan, on roule votre voiture. Ici, on ne roule pas votre voiture ici. Allez rouler votre voiture de politiciens à Abidjan. On ne roule pas votre voiture ici. Voilà. Vous êtes à vous rouler votre voiture ici, non, que nous, on est politiciens. On est politiciens. Politicien, quand on est politicien, on politique, ça fait, on ne fait pas ça à l'extérieur, on fait ça à Abidjan. Voilà. Votre parti là, allez installer ça à Abidjan, les bases, les sous-sections. Vous êtes consultant en politique, il y a un parti là. C'est à bien, c'est pas, mais on ne reste pas en France pour dire non, je suis consultant en politique, j'ai écrit roman, j'ai écrit. Allez faire ça à Abidjan là-bas. Allez faire ça à Abidjan là-bas. Voilà. Vous parlez de moi. Moi, je parle de ces pieds, il n'y a pas les pieds à rien derrière lui, que fâché, il m'en fout. Voilà. Il y a parlé toujours. On va parler toujours. Voilà, parce qu'on n'a pas de patron. Voilà. On ne reçoit pas droit de quelqu'un. Parce que c'est quand tu reçois droit de quelqu'un que, ouais, il y a une restriction dans ce que tu dois dire. Mais nous, dans ce que on doit dire, il n'y a pas de restriction. Voilà. Même si c'est choquant, nous, on ne fait rien ça. Voilà. On dit que quelqu'un, il est fatigué, il est vu. Vous le prenez pour extrapoler. Non, c'est là, ils sont ingrats. Gbagbo, il est vieux. C'est une injure. C'est ça, vous prenez pour une injure là. Maintenant, on a dit. Tout homme qui se dit être vivant est appelé à vieillir. Voilà. Si poisson me vieillit, âme me vieillit, c'est pas l'homme qui n'a pas vieilli.
Durée de vie de l'homme, c'est combien? Durée de vie de l'homme, là, de nos jours, c'est combien? Si c'est tôt, c'est 85 ans. Un gars qui a 71 ans, il veut avoir une petite retraite en Côte d'Ivoire, bien vif. Vous êtes à Chebou là-bas, devant votre maison, qu'au Bagbo ou rien. Pourquoi le gars n'a-t-il souffert rien? Non, Bagbo ou rien. Mais si vous aimez vraiment Bagbo là, faites ce qu'il est et puis rentrez dans son corps. Et puis lui va venir au Dieu, vous voulez rester dans son Bagbo ou rien en prison là-bas. Là. Il y a des plaisantins comme ça. Là. Bon, question. S'il n'y a pas de question, bonne question. Voilà. Mais j'ai fait une vidéo là, venez supprimer encore. Vous supprimez, moi ça me donne travail. Parmi moi, il y a des chèques travail. Vous supprimez demain quoi, il vient, il fait vidéo encore. Voilà. Question. Si ça n'a pas de question, on se laisse. Ou bien, lui qui vient terminer aussi, il vient terminer. Voilà. Champion depuis Zaïbo, je suis calé. Ouais, c'est comment non quoi. Voilà. C'est ça. Donc les gars, sortez la bagorie. Politique, c'est négociation. Politique, c'est accord. Politique, c'est pas une naga. Voilà. Drogba a dit ça, ça vous a blessé, non? Ok, mais c'est la vérité. Ils ont fait depuis longtemps. Il dit politique, c'est pas Nyaga. C'est pas Nyaga politique. Allez discuter. Aïe. Que tu es vendu, que tu es vendu. On m'a vendu à combien? On m'a vendu à combien? On nous a vendu à combien? Sinon, on voulait l'argent là, dossier gang là. On a fait un t-shirt. Hein. On a chose. C'est une marque déposée. On pourrait vendre un t-shirt. Mais depuis, ça fait 4 ans. Le logo est là. Le truc est là. Le diplôme est là. On n'a jamais pris le lampe pour dire on va faire un t-shirt pour vendre. Parce que nous, on n'a pas l'argent. C'est vous qui avez pris à l'histoire de Gbagbo pour faire fonds de commerce. Voilà. Nous, on n'est pas dans ça. Nous, on est les gendarmes, on est républicains, on est pour la République. Voilà. Ça, c'est ça, but d'Afrique. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Je vais intervenir. Ouais, vous êtes en direct là. On vous écoute. Okay. Hier, j'avais appelé et j'avais appelé pour intervenir. Ouais, mais il y a même la vidéo qui a faite hier, mais ça a été supprimé par les gens qui n'aiment pas la vérité là. Ben, je vais dire que si ça a été supprimé, c'est tellement que c'est parce qu'il y a du contenu dans cette vidéo là. Ouais, ouais. Et vraiment, je dis que faut jamais cesser de parler de paix, de réconciliation, de dialogue, tout ça. Parce que celui qui est dans la vérité, il ne se trompe jamais. Quel que soit les bâtiments et tout ça, voilà. Ouais. Il ne se trompera jamais. Et pour parler de dialogue, vous êtes pleinement sur la droite ligne. Ouais, ouais. Et donc, aujourd'hui, Gbagbo ou Mouna, il n'y a pas que le FMI pour la Côte d'Ivoire. Ouais, ouais. Les Ivoiriens sont fatigués. Ouais, ouais. Et vous-même, en tant que militaire et tout ça, si aujourd'hui on vous appelle d'aller combattre, je ne suis pas sûr que vous accepterez de sortir. Bon, jamais. Et je pense que ça a été un peu cet élément-là qui a fait que, au-delà de toutes les péripéties qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, la gendarmerie n'a pas réagi comme tout homme devait réagir par rapport à une situation. Ouais, ouais. Et je pense que tout ça va vous montrer la maturité des Ivoiriens. Ouais, ouais. Aujourd'hui, là, la dernière fois que j'avais dit à une intervention, la première intervention que j'avais faite au niveau de nous, parce que j'avais dit que Gbagbo n'est pas Dieu. Il ne faut pas idéaliser l'homme. Bah ouais. Même David, même qui était, on dit le roi David, qui était David dans la Bible, il n'était pas idéal. Ah ouais. Il y avait des gens pour lui rappeler sa faute et à partir de là, qui se remet dans la droite et tout ça. Donc aujourd'hui, il faut parler de réconciliation. Ah ouais. Ceux qui font la politique, ceux qui font les babouliens, aujourd'hui, qu'est-ce que vous mettez comme mécanisme, comme stratégie pour le bien des Ivoiriens? En France ici, là. Front populaire, quand on dit front populaire, quand on parle du front populaire, l'étymologie front populaire, c'est en France que ça a commencé. Ah ouais. Quand on parle de tribus du socialisme, on parle de Léon Blum. Quand on parle de front populaire, si vous tapez sur Internet, vous allez voir, quand on parle de front populaire, on parle de Léon Blum. C'était dans les années 1936, là-bas, les gens ont fait leur révolution pour demander une amélioration des conditions de vie des Français. Ah ouais. Et quand le front populaire a été créé, quand le Front populaire a pris le pouvoir et tout ça, la première chose qu'ils ont mis en œuvre, c'est de créer une sorte de ministère qu'ils ont appelé ministère des sports et des loisirs. Ouais, ouais. Et à partir de là, voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont été
les populations, en fait, il y a un impact considérable sur la population. Ouais, ouais. Et puis, voilà, à partir de là, il y a eu beaucoup de choses de plus là. Donc aujourd'hui, là, il y a eu un pays qui est arrivé, qui a fait beaucoup de choses, tout le monde l'a vu. Mais on ne va pas forcément dire que celui qui a été l'initiateur, ou sinon celui qui a fait ça, là, on doit l'adorer, on doit le vénérer comme Jésus ou comme Marie, ou je ne sais pas, comme Mahomet ou tout. Ouais, ouais. Il faut aller à l'état supérieur. Ouais, ouais. Il faut aller à l'état suivant. L'état suivant aujourd'hui, c'est que ceux qui sont restés derrière, c'est-à-dire les Akon Garé, les Stéphane Kipré, et tout ce monde-là, Blé Boudé et consorts, je pense qu'il faut rester, il faut se mettre ensemble pour trouver une stratégie qui va permettre de sortir le président Gbagbo, qui va permettre de choses mondiales, qui va permettre même de faire la politique, qui va redonner confiance, qui va redonner goût aux Ivoiriens de pouvoir même sortir demain quand on dit il y a un truc. Ou demain, quand on dit, aujourd'hui, il faut donner confiance aux Ivoiriens, il faut aider, il faut critiquer pour apporter des solutions. Donc, il ne faut pas rester dans la logique, Gbagbo rien. C'est quoi la finalité? Donc, aujourd'hui, Gbagbo sort. Même pour se présenter, il ne pourra pas se présenter. Parce que l'inévitabilité, même, comme on dit ça, même pour, au niveau de la constitution et tout ça, pour se présenter, là. Il faut jouir de ses droits civiques. Ouais, ouais. Il faut aussi avoir résidé 5 ans consécutifs dans le pays. Voilà, tout ça là, comment on fait? Si le président Gbagbo sort, on fait comment? On nous dit qu'il faut qu'il sorte. Bon, mon grand souhait et ma grande prière, c'est qu'il sorte. Parce que vous voyez, parce que les idées qu'il a défendues sont nobles. Aujourd'hui, là, si nous, en tant que jeunes, on devait combattre des gens, moi, je pense que c'est ce rodeo. C'est juste ce rodeo. Moi, aujourd'hui, mon combat, tout le monde devait combattre quelqu'un en Côte d'Ivoire, c'est les gens de la rébellion. Mais je me dis que pour l'instant, là, nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas à cette étape. Donc, ce que vous faites aujourd'hui, cette limitation que vous avez engagée d'aller rencontrer se parler de paix, parler de conciliation, ce n'est pas mauvais. Et aujourd'hui, comme nous sommes dimanche, je veux rappeler, même les pasteurs, il y a des pasteurs qui disent non, Gbagbo va sortir, les gens comment dire, tu vois dans les églises aujourd'hui, même à Paris, là, tu vois les gens, ils ont transformé les églises là, en mouvement de soutien politique. Il faut sortir de là. Même dans la Bible, quand vous lisez la Bible, là, il y a eu Nabucodonosor, celui qu'on appelle Nabucodonosor. Je ne connais pas aussi plus, moi je l'ai. Il a dominé, quand il est venu, quand Nabucodonosor, il a dominé le peuple d'Israël. Les Juifs, là, tellement qu'ils sont en disent qu'ils ne font pas allégeance à Nabucodonosor. Et il y avait un prophète parmi ces Juifs-là, qu'on appelle Jérémie. Jérémie, là, il a demandé pardon aux Juifs de faire allégeance. Parce que en faisant allégeance, il a une puissance, il est fort, il a toute une armée derrière lui, il a dominé les Juifs. Et puis vous, il y a ce petit Jérusalem, vous allez venir faire front avec nous, il faut faire allégeance. Non, il va venir faire. Il veut venir faire Gbagbo rien. On va négocier. Et c'est ce qui a fait. Les gens ont dit Jérémie était un vendu. Mais par la suite, on a vu. Ceux qui ont fait allégeance là, ils ont eu beaucoup de choses. Par la suite, c'est Dieu lui-même qui a restauré son peuple. Et ça n'a ni été par la force de X ou Y. Et donc, on se dit qu'aujourd'hui, tout Gbagbo, nous tous, nous savons que Gbagbo est dans la vie. Ce n'est pas notre zèle qui va faire que on va lui donner raison. Il faut trouver la méthode, la stratégie. Marcher, c'est bon. Parler, c'est bon. Mais derrière ça, il y a ce qu'on appelle en politique la diplomatie. Ah ouais. C'est la diplomatie qui permet. C'est que Gbagbo lui m'a tout prôné. C'est la diplomatie qui permet de faire des concessions. Aujourd'hui, quand vous voyez la Russie et ce comment et les États-Unis se mettent ensemble pour défendre quelque chose, ce n'est pas parce qu'ils sont amis, mais c'est parce qu'ils voient quel est l'intérêt majeur. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est plus fort et dans ce qui est plus fort, qu'est-ce qui peut profiter à nos deux États. Et c'est tout ça qui va marcher. Aujourd'hui, quand vous voyez la France en train de défendre ce comment en train de défendre le président, ce n'est pas parce qu'ils aiment ce président-là. Ils vont d'abord voir qu'est-ce qu'ils peuvent tirer
comme profit de la présence de ces derniers. Et c'est ça qui fait qu'ils soutiennent tel ou tel. Donc aujourd'hui, là, dans ce quartier qui a été fait, vous avez Assis qui a commencé à négocier avec le pouvoir. Il y a eu quand même des avancées. Même si on peut dire minime, mais il y a eu quand même quelques avancées. Et même pour contrôler même Assis, là, il est bien que vous ne vous soyez autour de lui. Parce que si vous êtes là, et si vous êtes majoritaire, mais vous pourrez influencer ces décisions. Aujourd'hui, par exemple, on doit prendre une décision, on dit, bon, aujourd'hui, on marche, ça, si je n'ai pas d'accord, on dit, bon, on fait un vote. Mais si vous, les Babouliens, vous êtes nombreux, c'est vous qui allez gagner le vote. Vous êtes laissé en roue libre. Et si vous-même, vous êtes dans un autre projet où on ne sait pas qu'est-ce que ça porte aux Ivoiriens, on ne sait pas que le monde est juste un égocentrisme. Quelque part, ils n'ont pas envie de se faire diriger par M. Assis. Ils n'ont pas envie, voilà, de recevoir des ordres de. Mais ça, là, il faut dépasser ça. Non, ouais. Donc, moi, personnellement, c'est pour vous encourager. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'aller rencontrer vos frères LDR pour dire, les amis, aujourd'hui, là, par rapport à l'intérêt de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on peut quitter pour faire changer le pouvoir, pour obliger le pouvoir à se revoir. N'ayez pas peur d'aller voir vos frères ivoiriens. Pour parler des dégâts, même si c'est 0,07 ou je ne sais pas qui là, n'ayez pas peur d'aller vous mettre ensemble, vous êtes des militaires. N'ayez pas peur de réfléchir sur les choses. Dans l'armée, là, c'est pas tout le monde n'est pas d'accord, tout le monde ne s'attend pas les mêmes bons politiques. Non. Mais quand il s'agit de sortir pour aller au fond, mais on met ces appréhensions de côté pour voir l'intérêt général. Non, c'est ça. Et cet intérêt général aujourd'hui, ça manque beaucoup aux Ivoiriens. Non, ouais. Il faut qu'on puisse se calmer. La politique là, ce n'est pas ne te limite pas au pouvoir. La politique aujourd'hui, il y a des enjeux stratégiques. La Côte d'Ivoire a besoin de vendre son image pour appeler des investisseurs. Les investisseurs qui viennent là, ce n'est pas seulement pour les RDR, ce n'est pas seulement pour le gouvernement. Ça profite à tous les Ivoiriens. Non, ouais. Les histoires des agro-business qui font, il y a ceux qui profitent au-delà, on va dire partie politique, mais ceux qui ont misé l'argent dedans, il y a des gens qui aident, il y a FPI, il y a RNP, il y a URAD, je ne sais pas comment, il y a tout le monde dedans. Non, ouais. Quand c'est pas bon, c'est pas bon pour tout le monde. Non, ouais. Quand c'est bon pour tout le monde. Aujourd'hui, il y a des pays qui sont en train d'investir dans la formation. Quand vous allez au Rwanda, vous allez en Angola, vous allez même aux États-Unis, même ici en France, il y a des gens qui investissent dans l'innovation. Il y a des gens qui sont en train de faire donner une force à notre armée. Mais si on est toujours ici à faire des tabous, donc comment on peut réfléchir à des choses qui vont faire avancer notre pays? Donc arrivé un moment, je pense qu'il faut faire de la politique avec intelligence. Le fait que c'est un petit peu rien, ça ne veut pas forcément dire qu'il est rebelle. Le fait que Gadi Sely rentre pour aller chanter ne veut pas dire qu'il est rebelle. Le fait que Serge Tati rentre ne veut pas dire qu'il est vendu. Même si vous-même, sur son engagement dessin animé ou sur son engagement donné, parce que décider de rentrer dans l'intérêt suprême de la nation, moi je pense que c'est vos familles, c'est vos amis, vos frères d'âme, c'est ceux qui vous suivent qui seront contents. Ceux qui ne seront pas contents, c'est les haineux. Moi, personnellement, je ne suis pas aidé et je n'ai jamais aimé Ouattara de manière particulière, mais je suis à la vision plusieurs fois. Il y a pas mal de choses qui sont faites. Tout ça, j'ajoute, je ne dis pas que c'est le gouvernement. Je dis que c'est la nation qui gagne. Ah ouais, c'est l'État de Côte d'Ivoire. C'est la nation qui gagne. C'est la nation de Côte d'Ivoire. Les fonds qu'il a fait là, c'est tout le monde qui passe dessus. Là où les gouvernements sont en train de dire on a fait. Là. Et là, il faut se mettre ensemble pour critiquer. Même les gens derrière, aujourd'hui, ont commencé à critiquer. Ah ouais. Alors, donc, on a fait se calmer. Et tu vois, moi, j'ai encore réitéré tout mon soutien à cette démarche de dialogue que vous avez commencé. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui vous soutiennent. Et moi, je vous soutiens dans cette logique de réconciliation, de dialogue. Vous n'êtes pas sur la mauvaise voie. Celui qui parle d'amour, là, il ne peut jamais se tromper. Donc, nous-mêmes, il faut qu'on apprenne à se pardonner.
Et puis on va avancer. On dit même on peut faire beaucoup de choses. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont morts? Comment ça dit? Il y a des gens qui sont morts sous le régime, on peut parce qu'ils ont voulu parler. Ah ouais. Parce qu'ils ont voulu s'opposer. Parce qu'ils ont voulu choses. Mais si on veut s'asseoir sur ça pour juger au feu, on ne verra pas tout ce qu'il y a à faire de bien pour la nation. Ah ouais. Donc pour dire qu'il faut se baser sur ce qui est plus fort pour avancer. Et c'est en avançant qu'on pourra corriger, on pourra rattraper certaines choses derrière. Mais si on est dans la délivrance, même si on est dans la posture défensive, c'est sûr que on va gaspiller nos énergies là, et puis pour finir, on ne pourra plus s'en sortir. Aujourd'hui, on a nos enfants, on a nos petits frères, on a nos petites sœurs qui ont envie d'aller à l'école. L'école, en ce moment, ça ne fonctionne pas. Comment on peut critiquer pour faire chose, pour faire évoluer le système? Aujourd'hui, les étudiants qui sont là, qui n'ont pas de bourse, comment on peut aider ces gens-là à étudier dans de bonnes conditions pour que demain, ils viennent participer à la vie de la nation. Aujourd'hui, le gouvernement, on a des projets que les gens disent à la télévision, mais derrière, ils ne le font pas. Comment critiquer la corruption, tout ça? Il y a tellement de choses, même au niveau de la gendarmerie. De la police, de tout. Beaucoup de gens se plaignent, les bourses ne sont pas payées, et ceci. Il y a tellement de choses sur lesquelles on peut parler. Vous n'avez jamais vu, aujourd'hui, comment s'appelle, les gars, François Hollande et Val, il y a des gens qui ne s'entendent pas. Ah ouais. Les gens ne parlent pas. Ils n'ont pas étudié l'histoire de la France. Nous, notre droit, notre modèle politique est calqué plus ou moins sur celui de la France. Ils n'ont pas étudié pour voir comment les Français. Ils savent mettre l'intérêt général devant. Ah ouais. Tout ce que vous s'apposez à faire à Andy là, on vous a dit que l'argent ou les choses qui ont été tirées là, c'est dans son compte que c'est rentré. Ah ouais. Jusqu'à des 5 ans, il allait en partie pour aller faire sa Paris là. Les animaux qu'il a tués là, il a tout ça pour aller faire un restaurant pour venir ouvrir un restaurant ici à Paris. Non. L'argent qu'il a pris, l'argent que les gens amassent là, il y a combien de politiques eux-mêmes qui mettent pas dans leur poche. Non, ils font ça pour leur pays. Ben ouais. C'est pourquoi ils ne vont jamais vendre un de leurs citoyens à la vie populaire. Ouais, c'est ça. Hein. Mais donc, pourquoi nous, on ne peut pas regarder ça là pour réfléchir, pour voir l'intérêt général? Non, on est là toujours en train de vendre nos politiques, on est là toujours en train de dilapider, on est en train d'insulter les gens. Alors que Hollande et Valls, son premier ministre, ils étaient opposés. Au temps de Mitterrand, quand Mitterrand était président, il y avait un gars qu'on appelait Rocard, qui n'avait pas la même vision politique que François Mitterrand. En attendant, tu connais le produit de France, hein? Mais j'ai étudié sans faux, je suis sans faux. Ah, t'as fait sans politique, quoi? Oui, si, je fais sens pour. Ah, t'es un champion, hein. Mais Valls, là, il était rocardien. Ah. François Hollande était de la ligne de Mitterrand. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas la même, ils partageaient pas la même doctrine politique. Mais aujourd'hui, 20 ans après, 30 ans après, les voici, l'un qui est président, l'autre qui est premier ministre. Mitterrand, c'est comme François Hollande, même pour choisir Valls, c'est malgré lui qui la présente. Ouais, ouais. Mais tout ça, par rapport à quoi? Par rapport à mettre en avant les idées, par rapport à mettre en avant les intérêts de l'État français. Et donc, si au nom de l'intérêt général, des gens ne peuvent pas aller voir, l'opposition ne peut pas aller voir le gouvernement pour s'asseoir, pour réfléchir sur les modalités de sortir de crise, sinon les modalités pour aider les choses, pour aider les partis, aider les populations à un mieux-être. Moi, je me dis que les gens font de la comédie. Okay. À un moment, ça devient une politique nombriliste. Il faut sortir de cette manœuvre. Ok, là, champion, on a compris. Vraiment, merci beaucoup. Ok, et puis, voilà, on reste en contact. Moi, je pourrais éventuellement. J'ai même étudié encore même la manœuvre. Ouais, c'est vrai que moment, le temps est appelé à en causer bien même de tout ça là-même. Bonne journée. Au revoir. Ok, à fois, champion. Ok.
Mais vous qui dites c'est bon, les gars, ils parlent trop là. Mais vous-même, venez parler aussi. Les gars, il n'y a pas appel, il a appelé. Venez vous expliquer aussi. C'est lui qui t'a nyogo. Toi-même, il faut parler. Tu dis, viens parler aussi. Je prends le dernier appel et il me casse là. Voilà. Donc, Bago, rien, sortez dans ça, c'est pas à faire. Voilà. Dialogue, c'est pas Nyaga. Où est-ce que tu en Nyaga là? Votre mentor lui-même. Il dit, ouais, rentrons dans la partie civile de la crise. C'est dit, ouais, c'est dialogue. C'est ce que ça veut dire. Mes militaires ont fait les armes. Je vous demande de rentrer dans la partie civile de la crise. Allez sur YouTube. Bagbo, il a dit ça. Quand on dit rentrer dans la partie civile de la crise, c'est dit, c'est dialogue. Une négociation. Il était à Korogou. Vous n'êtes fait avec Bagbo ou rien. On l'amène à CPI. Chez les Blancs. Vous êtes dans Bagbo ou rien. Alors, donc, vous-même, c'est vous qui êtes sorti de Bagbo. C'est ce que ça veut dire. Et on parle de ça, la vérité. Vous devez dire qui c'est quoi. Non, on ne fait rien, c'est. Aïe. C'est pas bon. On a vendu. On dit non. Voilà. Vraiment, faites chacun de ma population avant ça. Oui. Bon, lui, fait entrer les aïeux un peu. Parce que je ne sais pas ce qui se passe là. Voilà. Donc, elle dit Martinez, Roberto. Elle dit tu es beau aujourd'hui, un mono, respect. Donc, avant, il était vilain, quoi. Mais t'as vu, ça, c'est pas un jus. C'est un constat que tu as fait. Voilà. Martinez, Roberto. Elle dit tu es beau aujourd'hui. Non, c'est ce qui veut dire avant, il était vilain. Voilà. Mais Johnny, il dit le président, il est fatigué. Voilà. En passant à autre chose, négociation, on dit c'est un jus. Voilà. Ok, c'est un constat à faire. C'est comme Martinez. Elle dit aujourd'hui tu es beau. C'est un constat à faire. C'est pas un jus. Voilà, c'est un constat. Elle dit aujourd'hui tu es beau. Sinon, avant, il était vilain. Voilà. Donc, vous prenez tout en un jus. C'est pas bien. Voilà. Donc, sur ce. S'il n'y a pas de question, bonne question. On a combien de minutes là? Parce que moi, j'ai déjà fait 35 minutes là. On a combien de minutes de champion? Le gars, il a parlé 17 minutes du jeu. 17 minutes. On a combien de minutes? Vive l'amour. On a combien de minutes là, s'il te plaît? C'est 43 minutes. Bon, on corrobore une heure en même temps. Dans le numéro, c'est le 07. 58 11 28 74 07 58 11 28 74 voilà un appel et puis il a cassé ma foule. C'est que sur les Bagbo, ils ont compris. Maintenant vous venez supprimer vidéo encore demain, encore il fait encore. Non, demain c'est fait là. Vous l'avez dit, il n'y a pas insulté quelqu'un, hein? Tranquille, il n'y a pas lié. Mais demain, si vous supprimez ça, demain il fait là. C'est en même temps, c'est un jus en même temps. Vous connaissez, ah, c'est pas bon. Vous connaissez, c'est un jus en même temps. En même temps. Voilà. Mais si vous voulez, faites ce que vous voulez. Moi, ce qui me plaît, c'est le statut que vous avez fait. Et puis, il n'y a rien derrière. Il n'y a pas quelqu'un qui me voit dans la rue pour dire, ouais, hey, t'as dit quoi? Il n'y a pas quelqu'un qui fait la lance emportée. C'est pas bloc. Voilà. Donc, vidéo est faite là. Venez supprimer encore. Vous supprimez à demain, faites vidéo. C'est un jus en même temps. Voilà. Un jus. Puis, tous ceux qui font les statuts, en notre compte là, il prend mon nom. Il vous insulte vous-même. Voilà. Et c'est un affront, tête à tête, défi même. Il prend ton nom. Il t'insulte en drap. Maintenant, si tu es fâché là, tu me vois dans la rue, tu m'arrêtes. Voilà. Fais ma vidéo, il y a qu'à venez supprimer. Et puis, il y a voir statut pour dire non. Voilà ce que le monsieur Orange dit. Que ouais, ils sont vendus. Toi, il voit ton statut. Il prend ton nom, il met à côté. Il parcourt tous les murs. Tout ce que vous dites de mauvais sur nous, il relève votre nom. Demain, cette vidéo, il vous insulte en même temps. Il est 100% pas probable. Il prend ton nom, il dit bon. Bouteille, mets ton contenu pour mettre dessus. Voilà, c'est qu'on a fait. Un milieu de voix sur ma vidéo, vous allez voir. Voilà. Donc, les champions, s'il n'y a pas de question, bonne question, petite musique, puis on se laisse rapidement là. Voilà. Mère et mon match. Et soutien le Cameroun. Hein. Voilà. Big up à Johnny Pacheco, élément pointu. Big up à Vivi Lamour. Voilà. Dre Boni Griga, Eric Nanou, Philippe Gbagbo. Voilà, c'est quoi ça? Révolution Orange. Voilà. Voix de sans voix. Vérité obligée. Lui qui fait rien, ça, non, on s'en fout de lui. Voilà. Moi, mon cerveau, c'est pas l'occasion.
Voilà, on pense ce qu'on dit. Voilà, on dit ce qu'on pense aussi. Vice versa. Lui qui a écrit, c'est blanc. C'est rien ça. Voilà. On va pas dire ce que vous voulez entendre. Vous, c'est la vérité, on dit. Voilà. Big up à Jérôme et Vu. Voilà. Beauté divine, voilà, ensemble. Voilà. Voilà. Big up à Anson Lem, Siriki Dalogo. Voilà. Nen Adou. Voilà, ensemble. Révolution Orange. Inscrivez-vous dans cette logique. Voilà. Nous, ce n'est pas la violence. C'est la parole. Voilà. Big up à Martinez Roberto. Voilà. Voilà, ensemble. Ouattara Panam le Sage, le RDR. Voilà, ensemble. Sonda. Big up à tous ceux qui étaient connectés. Voilà. Christian Ferrari. Voilà. El Nino. Lui m'a insulté, ça fait rien. Big up à Serge Patrick. Voilà, on est ensemble. N'oubliez pas les... Partagez la vidéo. Big up à Jean-Marc Kwame depuis sa position. Ouais, c'est un guerrier, c'est un chef, c'est un champion. Voilà. Yapo Anderson Aka. Big up à toi. Voilà. Le combat continue. On fait rien à ceux qui n'aiment pas la vérité. Non, on fait rien à eux. Big up à Adonis Moïse. Voilà, on est ensemble. Bon, on se laisse sur ce. Ciao, ciao. Révolution Orange toujours, lui qui a écrit ses blocs. Maintenant, Bas Pierre qui a venu supprimer tout là, il est au courant. Ciao, ciao.